Allez, septième épisode du Let's Play sur The Last of Us. Donc j'ai fait 15 minutes de pause par rapport à l'épisode 6. Donc on est encore à fond dedans. Et le jeu là, il commence vraiment à être très prenant. Ouais. Donc on est en train de s'échapper avec notre petite gamine là. Et on va sur les traces de Billy, un ancien pote à nous, qui apparemment a barricadé tous les environs avec des explosifs et qui nous a laissé un arc. On a un arc avec des flèches. Par contre, je me demande à continuer. En fait, si je mets continuer, est-ce que ça reprend pile vers la sauvegarde plutôt que de charger? Attendez, je vais essayer de mettre continuer. Avec les petits spores de champignons. C'est un écran de chargement. D'ambiance. Alors. Ah non? Alors ça a sauvé ici. Je sais plus où on est là, c'est quoi cette histoire? Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Ah, ça a sauvé avant. D'accord. Bon, donc on a juste la zone avec le zombie là-bas à refaire. Eh ben, c'est pas grave, je vais le refaire. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait péter les explosifs ici, j'ai pris des dégâts. Voilà. Donc c'est vite fait. Dans ce camion, il n'y avait rien. Peut-être que je dois jeter depuis ici pour pas prendre des dégâts. D'accord. Ok. Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Je trouverai mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Une crise cardiaque. Je m'en occupe. Oh! Il m'a quand même touché un petit coup. Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Ah, même que je savais, il m'a quand même touché un petit coup. Mais ouais, on dirait que la gamine m'a gêné. Tu m'as gêné dans mon combat là. Saucisse. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu un tout petit peu d'énergie, mais quand même, dommage. Rachel, ouais. Bon, ça, je vais pas. Est-ce que je relis vite fait? Des soldats vont de porte à porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends des cris de pâté de maison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'appeler, d'attendre, mais je ne peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas. À très vite. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Donc, c'est certainement l'emplacement d'un trésor. Donc, il faudrait qu'on trouve deux grosses Tu crois que c'est pour valises. trouver? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Ouais. Tac. Ok, c'est déjà bon. On peut aller faire péter les explosifs. Bien, fichons camp d'ici. Et je peux confectionner des kits médicaux, je crois. Ah non. On avait fait un surin et un kit médical. Bon, on est pas mal là. Je vais essayer de faire péter depuis le camion. Pas prendre de dégâts. Par contre, c'est pas facile à viser, hein. Ok, surtout ne t'approche pas. Parce que même qu'on a bien pointé, ça bouge, hein, avec la respiration. Alors, on va attendre.
ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Ça pète fort. Ça pète fort. Voilà, et j'avais pris ces munitions. Donc c'était exactement ici que j'avais sauvé la dernière fois. Tu vois ça? Recule. Oh putain. Il est où? Ah, mais on peut pas sauter. Je vais aller chercher une bouteille. Même que j'ai vu qu'il y avait une brique, c'est pas grave. Comme ça, je garde la brique sur moi. On a de la chance qu'il y avait plein d'alcooliques à Boston et qu'ils nous ont laissé plein de cadavres, de bouteilles. Alors attention. Est-ce que je suis assez loin? Je vais essayer de reculer encore un petit peu. Oh. Hop. Oh oh. Ça c'était bien visé. Allez. Ça m'étonnerait qu'il y ait un zombie dans le coin. Il nous aurait entendu. Alors, on est bloqué. T'éloigne pas. D'accord. Ah, un tiroir vide ici? Non. Encore des munes. Je vais profiter de charger mes flingues là. Non, mes flingues. Ça c'est chargé. Alors celui-là, il est chargé. Merde. Et j'avais pas un fusil. Attends, je vais reprendre celui-là. Ah mais c'est avec l'arc. Et celui-là, il est chargé. Ah, il n'y a que deux munitions dans le chargeur. Bon, on reprend l'arc. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Putain. Je te tiens. Putain, Bill. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Putain. Pas mal. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Faudrait pas qu'un zombie se ramène. Oh putain. Joël. Merde, ils sont là. Oh non, c'est sérieux? Mais ils sont sérieux? Recharge. Oh. Un claqueur. Vite, recharge. Ah non, je suis mort. Oh putain, excellent. Ouh, j'aurais peut-être dû recharger là. Mais je t'ai tiré en plein dessus.
Enculé! Non! Je recharge. Mais... c'est bon. Il est mort. Il est dead. Putain, c'est vraiment chaud de les viser. Je recharge. Oh putain, mais je lui ai mis trois fions dans la gueule. Ellie, tu t'en sors. Je fais aussi vite que je peux. Comment on fait pour le claqueur là? Merde, merde, là j'ai fait le con. Dégage! Et... j'ai pas eu le temps! Là, je peux pas changer d'arme en fait. Putain, comment je fais lui là? Oh putain, il faut peut-être que je tire dans ses jambes, mais je peux pas changer d'arme. Là, peut-être que je tire dans les pieds du claqueur. Merde! Ellie! Tu t'en sors! Aussi vite que je peux. Merde. Oh. Putain, je... je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce claqueur? Occupe-toi de la corde. Ellie, tu t'en sors. Je fais aussi vite. Ou il faut que je tire sur la corde. Merde, merde. Merde, je pensais... je pensais qu'il me fallait faire péter la poulie, là. On peut pas? Non. Non. Ah! Non, 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 non. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ce claqueur. Ellie, tu t'en sors! Je fais aussi vite que je peux! Merde! Ellie,
Ah putain. C'est le stress. Merde. Oh. C'est bon, il est dead. Saloperie. Je vais te recharger. C'est ça, il fallait tirer énormément de mun. Ça va? Ouais. Tu vas y arriver. Ok. Chier. Il se ramène. J'y arrive pas. Allez, dépêche-toi. Allez, par ici. Allez! Merde! Viens m'aider! Oui, oui, oui! Check ça! Vite, qui se rapproche! J'ai plus de mine! Oh, quelqu'un est mort. Allez, tiens bon. Oh, en pleine gueule. C'est bon, il y en a encore combien là? Je suis mort. Oh merde. Oh putain. Merde, putain. Oh, ce passage de la mort. Passez le passage, venez ici. Cours, Ellie. Elle est où cette foutue clé? Les gars, derrière nous. Mike-toi, Bill. On va où? On est pas en sécurité. Mais merde! Ah putain! Allez, va-toi, Bill. Allez, vas-y. C'est bon. Allez, on y est presque, suivez-moi. Et là, est-ce qu'il faut que je fouille la zone ou pas? Et ils arrivent, allez. Ils arrivent. Continuez, par ici. Vas-y, 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 vas-y. C'est ouvert, allez. Allez. Merde! C'était chaud! Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que. Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Détachez-vous! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux!
fais pas le malin. Ok, t'énerve pas. T'es fait mordre? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes! J'ai des dettes envers Joël. Non, mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Oh là 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 là. Eh ben, excellent le passage. Mais ouais, au début, je pense, le problème qu'il y a, c'est quand le claqueur arrivait vers moi, j'avais presque plus de mun dans le chargeur. Et il fallait bien lui mettre 4 balles, je pense. Un tuyau. Mais j'en ai un, moi. Ah non, je sais plus, je l'ai explosé. La carte des pièces. Donc, maintenant, on doit trouver les pièces de bagnole. C'est pas très clair. D'accord. Et bien évidemment, les pièces sont à l'autre côté de la ville. Mmh. Ah, ça on aime. Note barrière. Faut que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Dégager les barrières. La vache, c'est vraiment pas un marrant ton pote. Garde tes distances. Par contre, je ne pouvais pas changer le flingue. Bon, je pense que j'avais le meilleur parce que le fusil, vu qu'il n'y a que 2 munitions, je vais passer mon temps à charger. Par contre, faut vraiment que je puisse améliorer mes armes. Bah, ce fut une sacrée rencontre de ce Billy. Notre cher ami Billy. Encore des munes. Manuel d'entraînement vous permet de confectionner des objets de fortune plus puissants. Ah ouais. Manuel du surin volume 1. Longévité accrue des lames. Ah. Aiguisage. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmenter par conséquent la durée de vie de la lame. Bah ouais. Bah je veux moi. Comment on fait? Ah. Ah, mais je peux améliorer ma santé.
avec les pilules. Ah, mais j'ai 70 compétences. Améliorer le rayon d'écoute. Le temps de confection. Ça, c'est pour soigner. Ah non, temps de confection. Oh, et stabilité de l'arme. Et le maître du surin, 75. Bah, franchement. Donc, c'est à ça que servent les pilules. Et je remarque ça que maintenant. Allez, je vais faire la santé. Un coup. On est passé à 100. Rayon du mode écoute, non, pas besoin. Et ici, non. Je pourrais faire une trousse de secours. Je vais attendre. Hein. Ouais, pour l'instant, je reste comme ça. Eh bien, ça va barder. Donc ici, on est quoi? On est de nouveau dans un pub? Ouais. Ça doit être ça. Une petite partie d'échecs. Eh, hey, tu sais y jouer? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hey, Bobby Fischer! Pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. Pas touche à l'échiquier. Bon, allons-y. Ce qu'il faut. C'est bon. Viens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte. Allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, il y en a pas deux comme lui. Explorons encore. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. Notre chasseur. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Ah bon? Les chasseurs chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement. Montrer qu'on ne rigole pas. Il y avait cette histoire de valise là, jetée d'un bus. Je me demande si on... On les a pas déjà dépassés. Ah, encore des pilules. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est une amie? Haha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais. Non mais c'est quoi ce... Alors on va où, Bill? Mon autre planque. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Oh, il s'est réparé une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé. Maintenant, je vais jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Encore plus d'armes. Je sens qu'il va mourir, ce bon vieux Bill. Ah. Dégage. Tu me gênes. Je t'aime bien, mais tu me gênes. Pas mal le miroir. Tu me suis partout, hein.
Et pour la bouffe, ils font comment? Y'a plus l'air d'avoir d'électricité, hein. Tu manges quoi, Bill? Ah. On entend la compagnie. Des vieux pneus. On s'approche des zonzons. Il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Voilà, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu, je crois. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. C'est l'impression. Gideon, dans le gaz. Ouais, un peu comme ça. Allez, on y va. Tout de même. Oh, je veux le couteau. Ah, pas mal. Ça coule beaucoup, dis donc, les zonzons. Un peu de sauce. Un peu de sauce pour messieurs. Et nous revoilà dehors. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une! Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail! Tiens-toi prêt! Oh 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 oh! Merde, c'est des claqueurs de merde. Oh, j'étais pas prêt. Du tout. Bon, cocktail Molotov, les gars. Les flèches sont plus mortelles lorsqu'elles touchent des ennemis qui ne vous ont pas vu. Je charge. Merde. Mais... Bon, bah c'est bon. Je crois que j'en ai quand même eu deux avec le cocktail Molotov. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. D'accord. Qu'est-ce que j'avais ramassé ici? Rien? Bon, un petit tour. Je vais prendre la brique, je préfère. Ah, quand ils attaquent en meute comme ça, je sais pas trop. Je sais pas trop comment il faudrait réagir. Attendez, ça serait pas ici qu'ils ont jeté les valises. Il y a un bus là. Je veux le trésor, moi. Ouais, non. Je pense que j'ai dû déjà le.
le louper, le trésor. Bon. T'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. Les gens normaux qui me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Moi je te comprends. T'as pas peur des zombies, mais t'as peur des gens normaux. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi si. Eh ben allons-y. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Au sous-sol? Qu'est-ce que c'est? Ah, 10 engrenages. J'aimerais un établi. Toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé! Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Un fusil à pompe. Magnifique. Avec Simon. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Oui, bah attends. Je vais aller fouiller tes trucs. Oh! Ah non, c'est une ampoule. J'ai cru que c'était l'icône d'une manette. Bon, je pense que... À mon avis, on peut rien lui piquer d'autre. Il nous donne déjà un pompe, c'est déjà pas mal. Ah, si, il y a des trucs. Un bout de bois. Mais moi, j'ai le tuyau, c'est mieux le tuyau. Une planche nette. Et on peut monter là-haut. Ah, mais c'est immense. Est-ce que je devrais pas aller voir Bill finalement? Je sens que je vais faire une connerie par ici. Waouh! Une église. Il est où le moine? Il
serait pas infecté. On peut rien faire. Ah. Voilà, ça valait la peine. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. D'accord. Mais c'est juste des infos ou je dois vraiment noter enfin, je pense pas. Hein. Des petites pilules ici. Tip top. Merci monsieur le curé. Et on peut encore monter, sérieux? On peut aller dans le clocher? Non, c'est barricadé. Ok. Ok. Allons voir le bon vieux Bill Buffalo. Qu'est-ce que t'as à me montrer alors? Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ouais, j'ai vu quelques-uns de tes jouets. Mm-hmm. Une boîte de conserve remplie de clous. Ces bombes puissantes explosent dès qu'un ennemi approche. Utilisées offensivement ou défensivement, elles peuvent être lancées en cloche avec L2 ou placées à des points stratégiques avec R2. Alors, d'accord. Donc on place avec R2 ou placer à des points stratégiques avec R2. Les bombes qui n'ont pas explosé peuvent être récupérées. Ah. Oh là là là. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout. Je vais revenir. Une caisse. Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Alors là, outil de niveau 1 obtenu, d'accord. Ouh, on va pouvoir tout optimiser. Ça va péter. Ça va péter. Et qu'est-ce qu'il y a qui brille là-bas? J'ai oublié ça là-bas, sérieux? Ah non, mais c'est la lampe. Ok. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Eh hey mec, j'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la fille. Je l'ai à l'œil. Ah, encore un petit truc ici. Ok. Bon, déjà, je vais ouvrir le sac. Alors, je peux confectionner... Ah, je peux améliorer l'arme. Mais c'est grâce à quoi? À l'arme niveau 1? Confectionner un surin, on peut. Kit médical. Cocktail Molotov. Ah. Donc pour faire un explosif, ça coûte un ciseau et quelques. Cocktail Molotov, il coûte cher, hein. Bon, j'en fais un. Allez, j'en fais un. Ah ouais, ça coûte... pas tout, en fait, mais ça coûte un peu. Kit médical... j'ai envie d'améliorer ça. Oh! Ah ouais! Et je peux quand même faire un kit médical. Et un cocktail Molotov. Bon allez, je refais un kit médical, on en aura 3, voilà.
Alors, temps de confection, on s'en fout pour l'instant. Pour l'instant, les médics, ça, je garde comme ça. Et l'arme, ça, c'est intéressant. C'est parti. Alors, je peux améliorer la portée de l'arc et la vitesse de tir. Non, mais avant, on va d'abord améliorer ce flingue. Vitesse de rechargement. Qu'est-ce que je devais améliorer? Ah, la vitesse de chargement, parce que putain. La cadence de tir, ouais, ça me paraît bien, parce qu'il y a un claqueur, je suis dans la merde. Et la capacité de chargement, ouais. Cette arme, est-ce que j'améliore? Allez. C'est la fête. Je suis peut-être en train de faire des conneries, mais... Mais je fais. Le fusil. Vitesse de rechargement. Capacité. Du chargeur, ouais. Oh, lunettes. Ça, ça pourrait être intéressant. Si je veux tuer des soldats de loin. Allez, la lunette. Oh. J'aurais presque tout défoncé. Les pompes, on vient d'avoir. Bon, ben voilà. On commence à être pas mal blindé. Il nous manque encore 3 armes. Ok. Bon, ben c'est bien sympa. Cocktail Molotov. Bombe. Je vais prendre l'autre fusil. Je vais tester la lunette quand même. Hein? Ah, y a pas de zoom. Attends, si je veux te tuer, toi, hop. Oh, ouais, ça va vraiment. Ça va vraiment pour une cible qui ne bouge pas pendant longtemps. Il faut vraiment attendre le bon moment. Ouh là 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 là. Ouais. Bon, on va prendre le flingue. Celui-là. On le recharge. Il est plein. J'ai l'impression qu'il peut encore avoir 2 munes. On a peut-être plus de munes. Bon alors c'est bon Billy, on peut y aller. Merci pour tout. Même si j'aurais préféré plus. On revient dans l'église. Wow. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez, rassemblez vos affaires. Let's go. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Je vais prendre le pompe ici quand même. Non, l'arc quoi. Oh, la vache. Non, le pompe. On vient de nous donner le pompe, c'est peut-être pas pour rien. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Attends. Je vais fouiller la zone. Allez, on se bouge. Un petit cimetière. Ah.
un feu de cadavre. Ah bah voilà comment il mange, notre ami Billy. Il mange des cadavres de zombies. Mais cuisson extrêmement haute. Semelle même, je dirais. Après cette porte, je serai en terre inconnue. Je m'en occupe. Vous entendez ça? Silence. On va peut-être devoir prendre l'arc, hein. On va prendre l'arc, finalement. Ah mais... oh, putain, je croyais que le bruit ça venait du claqueur qui était au fond. Ouais d'accord. On y retourne. Oui, tu es la main jolie. T'inquiète pas. Merde. Quel con, mais... Sérieux ? Vas-y, vas-y Billy. C'est le meilleur. Je pensais pouvoir le choper. Et c'est pas grave parce qu'il faut que j'améliore un tantinet mon tir à l'arc. Oh putain la catastrophe. Mais je vous jure que c'est chaud hein. Ah. Ah quand même. Je peux que récupérer une flèche. Oh merde, elle a pété l'autre. Merde. Connerie. Elle est où ma flèche? Ah. Connerie. En fait, je serais pas obligé de les tuer en fait. M'a pas eu. Bah si, il m'a eu. Bon, en fait, je vais aller discretos. Mais je voulais tenter, vu qu'apparemment avec l'arc, on pouvait les tuer en un coup sans perdre de flèches. En fait, non. Hein. Les flèches cassent au bout d'un moment. Donc là, je vais essayer d'y aller discretos plutôt que de les tuer. Je pense qu'en allant discret, ça passe. Voilà. Je suis plus doué en discrétion, en fait, qu'en tir à l'arc. Personne là derrière.
Putain, je déteste ces trucs. C'est bon, pas de soucis. Par contre, je loupe peut-être des trucs. Parce qu'il faut monter les escaliers. Non, ça a l'air bouché. C'est bon, venez les filles. Dégage. Vous me gênez. J'ai la clé de cette porte. Ta droite. Doucement, doucement. Bon, eux. Je vais les tuer, je pense, tranquillement. Je vais juste aller ramasser des objets ici. Y'a que dalle. D'accord. Vous inquiétez pas. Y'en a trois. Là, c'est un peu abusé qu'il nous ait pas vu. Tu veux continuer ? Allons-y. Oui, il y en a encore un ici. Tu déconnes pas à propos de cet endroit. Hein. Et voilà. Ouais, ouais. Ah, je les aime bien ceux-là. Ça reste efficace ce coup de pied dans la tronche. Encore des claqueurs là-bas dedans. On va passer par là. Oh, mais il y en a plein! Partout, partout, partout. Pourquoi tu cries? T'es fou? Oula. Mais non. Mais pourquoi il y a eu du bruit en fait? Bah oui qu'il faut un surin mais... Ah. Pourquoi il a crié? Alors on va encore aller tuer lui. Et on va faire le tour de l'autre côté. Allez. Je sais pas pourquoi il a gueulé notre ami Billy Billy. Certainement à cause du claqueur ici. On va tuer ce claqueur hein. Avant. Ah mais c'est parce qu'il y a des coureurs qui nous ont vus. Non. Ah si en fait. Dégage. Dégage, il suffit de venir ici. Merde. Mais Billy, tu fous quoi bordel? Tuez-moi, tuez-moi. Je me laisse tuer parce que... Je me laisse tuer parce que c'était vraiment, vraiment pas... C'est ça, c'est qu'il y a des coureurs en fait qui nous repèrent de loin. Ok, et qui avertissent tout le monde. D'accord. Bon. On va aller tuer celui-là là-bas. Ça me paraît un bon plan. Et ensuite, je pourrais peut-être
Je pourrais peut-être attirer un claqueur avec une brique. Il y a des coureurs là-haut. On va essayer de monter. Le claqueur n'est plus au même endroit. Ah, il est là-bas. C'est bon. Ici on est bien. Je vais essayer de tirer une brique là-bas. Oh, pas mal. Il est où l'autre? Il est là. Il arrive. Dès qu'il se retourne. Ok, on y va. Allez. On court. Il y a le claqueur. Il nous a pas entendu? Si. Oh! C'est bon, il est raide. Si vous me donniez une arme, je pourrais vous aider à buter ces enfoirés. Oh. Oh là là. Et combien de munitions il faut? Oh. Vous avez vu, il en faut une chier, hein. Je vais changer de flingue. Oui. Voilà. Bon. Apparemment, zone nettoyée. Par contre, les claqueurs... c'est dommage. J'aurais peut-être dû l'avoir au surin. Parce que là, j'ai tiré... 4 ? 4 ou 5 coups. Et il n'a pas branché, hein. Où j'aurais dû utiliser le pompe peut-être. C'est ça, j'ai trop été pressé. Où j'aurais dû courir plus loin peut-être pour mieux me préparer. Mais bon, ça va, hein. On a limité la casse. Alors, je pense qu'on a tout pris par là. Ouais, là on revient au début. Je pense qu'on est bon. Ah, là-bas, il y a quoi, une bouteille? Non. Un cadavre. Mais pourquoi tu tires? Bah oui qu'on arrête.
T'es fou? Mais... Je voulais mettre la lunette. Quel con. On peut zoomer. Là, je pensais que les balles auraient traversé. Et il veut pas crever, hein. Merde, merde, merde. Vas-y, saigne-le. Ouais. Ouais. L'horreur, putain. Il met trop de temps à charger. Avec le fusil à lunettes. On va prendre le pompe un coup. Y'a que ça de vrai. C'est moi ou on a entendu grincer? On a nettoyé la zone ou quoi? On peut aller sur le toit? Faut de nouveau scruter la zone? Mmh. En fait c'était un harem. Un harem de combat. Merci. Une tondeuse, ok. Allez, pousse-toi. Bah en fait, il a fait feu alors que j'aurais pas voulu quoi. J'aurais voulu aller discretos. Et Médoc, ça c'est cool. Une brique. Faut fouiller partout, hein. Un arc et plein de flèches. Ça, c'est cool. Je pense que j'aimerais améliorer toutes les compétences de toutes les armes parce que là, tu te rends compte que le temps de chargement, enfin le temps pour faire quoi que ce soit. Que ce soit pour prendre un médicament, que ce soit pour recharger, la cadence de tir. Oh, y a tout qui donne envie d'être amélioré. Bon. Est-ce qu'on a tout exploré en bas ici? Non. Encore un petit garage ici, y a que dalle. Une porte. Par là. Oh! C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Oui, d'accord, mais alors, avant, je veux quand même juste faire un petit tour. Parce que je suis sûr que j'ai oublié des trucs par là. Là, une brique. Je vais prendre. Je préfère les briques. Alors ici on a tout fait. Ouais. Dans la maison là on a été. Ah je pense qu'on a fait le tour en fait. Ouais c'est bon, je crois qu'on a tout exploré. On peut y aller. Allons par la chatière. Surtout, fais très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill.
Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Merde. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. Bon, ça veut dire qu'on peut faire discret ou tu vas te mettre à flinguer, Bill? Il y en a deux, là, d'accord. Bon, on va les laisser. On les laisse. Merde. Rien dans cette cuisine. Oh putain. Ah, il y a quand même certains objets qui ont une animation. Ah, il y en a un là, putain. Faut pas loin. Allez, encore des médocs ici, non? Savage. Starlight. Ah, il y a un film qui s'appelle Savage. Assez spécial aussi. Et je crois que c'est aussi avec des champignons, sauf erreur. Allez, des petites pilules ici, non? Notre bon vieux Bill. On grimpe là, mais attends. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs ici. Bonjour. Je ne fais que passer. Hein. Oh, le petit nounours. Chut. On part. On dirait que je cherche à mourir. Hein. Non, mais c'est bon. Ils ont l'air bien endormis. Je crois qu'on a tout pris. On peut se casser. Mmh. Et ben voilà. Ça, c'était... J'ai bien pu laisser ça ici. Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Une belle piscine. On entre. Allez, allez. Attends, dans la cabane de jardin, il y a des trucs. Des étagères vides. Voilà. Qui peut bien avoir un jardin avec des étagères vides? Ah. 5 pilules. Oh, la cabane! Je crois qu'on est tranquille. Ah, mais c'est d'où on vient? Non, j'ai rien. On va tous bien, on avance. Ah, et plus on s'éloigne, plus les voix diminuent, d'accord. Alors, on va bien farfouiller. On farfouille, et voilà. Des tiroirs vides ici. Oh. Je dois faire le 100% des tiroirs vides. Hein. Je le rappelle. Non mais je pense que c'est parce que si tu joues à un autre niveau de difficulté, je pense que les tiroirs ne sont pas vides peut-être. Bah, sinon c'est un peu con parce que on te permet d'ouvrir le tiroir. Ouais. Donc t'es tout fou du cul. Puis tu ouvres, il n'y a rien dedans. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux déjà sortir? Ah, des flèches. J'ai besoin d'un coup de main. Ouais. Ouais, j'arrive. Je veux d'abord monter. Pour un peu qu'on a un moment de répit, là. La garde-robe. Porte fermée. Une chambre de bébé. Avec une femme à poil. Quoi ?
Merde. Non. Qui dort avec un bébé dans sa chambre et qui a ça comme poster au-dessus du lit? C'est un scandale, moi je vous le dis. La société actuelle est désastreuse. Pauvre gamin. Panda! Panda Patrol! C'est pas Kung Fu Panda, c'est Panda Patrol. Oh, le petit robot! Ah ah! Le journal d'un garçon, choqué de ses parents, qui regarde du X. Mais non! Oh putain. Alors. Journal d'un garçon, voilà. Zoomer. Carré, voilà. Alors, le 4 octobre, c'est officiel. L'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins eu un effet positif. Pas d'école, pas de devoirs. Et ça me va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre ? 5 octobre. Maman et papa se sont disputés. Ils se criaient dessus tout en chuchotant. Bizarre. J'ai cru comprendre que maman voulait aller chez sa sœur. Papa lui a dit qu'on était en sécurité. Ici, que l'épidémie ne nous atteindrait pas. Ah putain. Je viens fou, hein. 6 octobre. Papa m'a engueulé parce que j'écoutais la radio. Il dit que les infos racontent que des conneries. Maman lui a donné raison en essayant d'être convaincante. Mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. 7 octobre. Je crois que papa s'en veut pour hier. Gadget a dormi dans mon lit et papa n'a rien dit. Il est entré, l'a caressé, a soupiré et il est reparti. Je l'avais jamais vu comme ça. Et Gadget, ça doit être leur chien alors. Papa consolait maman hier soir. Tante Karen est morte. Du moins, c'est ce que je crois avoir entendu au petit déjeuner. Personne ne disait rien. Comme si rien ne s'était passé. J'ai joué le jeu. L'officier Jones est venu parler à papa. Ou plutôt, il est venu chuchoter avec lui. C'est la mode ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, changer de maison et que les militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter qu'un sac. Maman n'a pas réagi. 16 octobre. Où on va? Les animaux ne sont pas admis. On est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadget. Je lui ai enlevé son collier et je l'ai laissé partir sur le retour. Papa n'a pas arrêté de dire qu'il irait bien, qu'il était fait pour vivre dans la nature, en liberté. N'importe quoi. C'est l'heure. Papa dit qu'on sera de retour en un rien de temps. Je crois qu'il se gourre. Eh bien, dis donc. C'est pas très encourageant, tout ça. Par contre, ça fait combien de temps, là? Je vérifie. Hein? 1h20! Oh, merde. Je me suis encore emballé. Il me semblait que ça faisait long, quoi. Mais, ouais. Je suis obligé d'avancer jusqu'à une prochaine sauvegarde, hein. Oh, avant de quitter l'épisode. Eh, je peux te parler une seconde? Ouais, vas-y. Ouais. Je voulais juste m'excuser pour Tess. C'est tout. Je reviendrai plus là-dessus. Ellie, t'as pas besoin de t'en faire pour moi. On devrait rejoindre Bill. D'accord. Merci, tes excuses sont acceptées. Attachante, cette gamine. Alors. Je te l'avais dit. Voilà le camion. Juste devant le lycée, là-bas. Allez. Ça grouille d'infectés, là-haut. Essayez de pas faire de bruit.
Je vais faire quelque chose. On va sauver. Je pense que là, c'est un point de sauvegarde. À mon avis. Et si je mets... on va mettre une nouvelle. Hein. Hop. Si je mets charger... Sauvegarde 5, 18h10. Je sais pas parce que ça a la même heure, sérieux? 18h10, pourquoi? Et pourquoi il y a deux sauvegardes? C'est étrange. Je vais essayer de charger quand même. Hein. Mais je pense que là, c'est un point de sauvegarde. J'espère. Ah! Ça grouille d'affectés là-haut. Eh bah, parfait. Parce que l'épisode là est déjà très long. Donc on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Et je vais aussi faire une pause, moi. Je pense que je vais continuer demain. Voilà, revenir au menu principal. Ok. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.